Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 2, des versets 23 à 28. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mit à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient, « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David? Lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient, au temps du grand prêtre Abiathar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Loué soit Jésus-Christ. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons l'impression, pour quelqu'un qui n'a pas vécu à l'époque de Jésus, de dire que oh, les disciples sont des bandits. Les disciples de Jésus étaient des bandits. Comment ils peuvent cacher des épis dans le champ d'autrui? En effet, c'était propre à la loi juive de l'époque. C'était que quand tu cultivais ton champ, il y avait, je crois, le premier et le deuxième sion, ou seulement le premier sion, que tu faisais pour les passants. De manière à ce que si quelqu'un, un voyageur passait, il avait faim, il pouvait arracher une épi et il continue la route. C'était pour les passants, pour les voyageurs. C'était un acte de charité. Vous voyez que même dans les lois, c'était l'amour qui prédominait quand on écoute la loi. Et en effet, ce qui est en train de se produire ici, c'est que les disciples ont faim. Et en cours de route, ils arrachent les épis et se mettent à manger. Il y a des pharisiens qui se mettent alors à dire que mais c'est pas normal, c'est le jour du sabbat. La loi dit ceci et ils ne doivent pas le faire. Et Jésus va plus loin. Il dit que regardez, au temps du prophète Abiathar, il y a eu des personnes de haut rang qui sont allées manger ce qui était réservé aux prêtres seulement. À plus forte raison, ceux qui ont la possibilité de manger en ce jour, parce qu'ils ont faim. Comme pour faire comprendre que la loi est là, mais la loi est toujours au service de l'homme. Non, j'ai jamais le maître de l'homme. La loi qui est régulée dans la société doit permettre à l'homme de s'épanouir et de connaître Dieu. Toute loi qui est mise, toute réglementation qui est mise, on doit toujours se demander, est-ce que ça aide l'homme à être plus épanoui? Ou c'est en train d'asphyxier l'homme. Je pourrais par exemple me poser la question sur la loi sur les finances de cette nouvelle année. Est-ce qu'on peut se dire que cette loi-là nous aide à nous épanouir? Est-ce que ça favorise le plus pauvre? Ou cette loi-là est en train d'asphyxier et inconsciemment créer des attitudes qui ne devraient pas être parce que ça n'aide pas l'homme? Toute loi en fait est en vue d'aider l'homme. Et je voudrais justement qu'on profite de cette occasion pour prier que toutes les lois qui soient mises dans notre pays ou dans n'importe quel pays soient en vue de l'épanouissement de l'homme et non pour l'asphyxier. Quand une loi est en train d'asphyxier l'homme, elle devient justement comme une loi de pharisien. Une loi qui répond à un intérêt égoïste d'une personne et qui ne répond pas au bien-être de toute la population et de toute la nation. Que nos lois, je prie et je demande de prier pour cela. Que nos lois soient en vue de nous aider. Et que nos représentants à l'Assemblée nationale et au Sénat se rendent compte davantage qu'ils sont là au service du peuple, qu'ils ont été choisis par le peuple, pour servir le peuple et non de servir leurs intérêts. Et ainsi, nous aurons une société belle. Et ainsi, nous aurons une nation belle parce que tout est en vue du bien-être de la population. La loi est au service de l'homme et non l'homme au service de la loi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ou si un beau jour tu es parti en aventurier, coupant les racines qui te retiennent.